Hier soir, quand je notais les idées sur lesquelles je construirai la vidéo que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, le bilan se soldait pour la bourse de Paris, le CAC 40, à une baisse de 40% depuis le début de la dégringolade. Alors 40%, c'est considérable, mais par rapport à quoi? Autrement dit, est-ce que le niveau de baisse, en l'occurrence quand même considérable, et le critère qui convient, qui est de la conduite à tenir à l'avenir et dans l'avenir immédiat en matière d'investissement boursier. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, vous l'avez deviné, je partage mon analyse sur la question: faut-il revenir en bourse maintenant? Avant que nous attaquions le vif du sujet, pour que vous ne manquiez pas les vidéos qui suivront sur ce thème et sur d'autres, eh bien, c'est simple, pensez à vous abonner soit par l'icône vert et bleu qui est en bas à droite de l'écran, soit à partir d'un des tout premiers liens que vous avez en dessous de la vidéo. Alors, si finalement il n'est pas si évident que ça que le niveau de la baisse, même considérable, est le critère sur lequel se fonder pour décider de revenir en bourse ou de ne pas revenir en bourse, autrement dit, si on pense que la baisse ne serait pas encore suffisante, eh bien, quel est le bon critère? Alors, quand on réfléchit un petit peu à ce sujet, on comprend très vite qu'il n'y a pas de critère universel et que le bon critère ou le critère le plus opérationnel dépend en réalité du type de stratégie boursière dans lequel on s'inscrit. En gros, quatre stratégies boursières. Alors, je ne sais pas si dans les manuels théoriques d'investissement boursier, on fait cette distinction-là, toujours est-il qu'elle me paraît évidente. Il y a la stratégie que j'appelle de long terme, qui consiste à acheter des actions auxquelles on s'intéresse particulièrement et pour lesquelles on a fait une analyse ou on a eu connaissance d'analyses qui donnent à penser qu'elles ont un fort potentiel de développement ou d'enrichissement par un levier ou par un autre en matière de placement boursier. C'est ce qu'on appelle tout simplement le stock picking. Une stratégie qui, elle, est à l'opposé, eh bien, qui va consister non pas à chercher à sélectionner les bonnes actions, ce qui, quelque part, est un travail assez considérable, même si, bien sûr, on le délègue indirectement en se reportant aux analyses qui sont faites par des professionnels de la bourse qui passent leur temps à faire ce type d'analyse. Eh bien, cette stratégie opposée, c'est simplement de se positionner sur les indices, soit des indices sectoriels, soit tout simplement les indices des marchés, des grands marchés financiers tels le CAC 40, les indices américains, SBF, le DAX allemand, etc. Et dans ce cas-là, évidemment, on va avoir une approche globale et la signification de la baisse n'a pas le même caractère opératoire ou opérationnel que lorsqu'on va s'intéresser à des valeurs individuelles. Mais ce n'est pas terminé. Il y a aussi une autre façon d'investir en bourse, assez connue, même si ceux qui la pratiquent ne savent pas toujours son nom, c'est ce qu'on appelle le swing trading. Autrement dit, ça consiste à essayer de déterminer, en se basant sur ce qu'on appelle l'analyse technique, autrement dit, vous savez, tous ces graphes, les fameux charts, qui étudient le comportement, le cours des actions dans la durée, le court terme, le moyen terme, le long terme, le très long terme, déterminent des moyennes mobiles à une semaine, à un mois, à un an, enfin, tout ça. Et à partir de là, on peut essayer. Ce sont tout simplement c'est une approche statistique, hein. On peut essayer de deviner ce que va être le cours ou la tendance de cours de l'action qui nous intéresse dans l'avenir. On peut faire d'ailleurs exactement, bien sûr, ce même type d'approche pour les indices. Alors, le principe du swing trading, eh bien, c'est le principe un peu bébête. Je cherche à déterminer quel va être le point bas, donc en me basant sur tous ces instruments, et puis ben, je monte, je prends le train de la hausse à ce moment-là. Autrement dit, je monte non pas au point bas, mais juste quand on commence à remonter, et puis après, je cherche à déterminer les signes qui indiquent qu'on commence à plafonner, et donc à ce moment-là,
je vais sortir sans attendre qu'on se casse la figure. Je ne vous parle pas d'une quatrième approche, qui est celle du day trading, qui consiste à passer sa journée devant ses écrans, à surveiller l'évolution des cours, pour jouer sur les écarts de cours journaliers à la hausse ou à la baisse. Donc qui dit jouer à la hausse veut dire qu'on risque de se planter et de perdre l'argent. Qui dit jouer à la baisse induit une notion de risque supplémentaire avec des appels de marge qui peuvent être rapides de la part de l'entité sur laquelle on pratique notre activité boursière et qui est donc éminemment spéculative. Mettons de côté le day trading qui est vraiment une approche spéculative avec ses règles propres, en notant que dans un contexte d'hypervolatilité comme nous connaissons depuis un mois, eh bien les day traders bien sûr puisque eux ne peuvent exercer leur activité dans les conditions les plus rentables qui soient que par gros temps boursier, lorsque l'océan des cours est déchaîné, bien évidemment ils assument des risques importants, mais c'est là qu'ils peuvent aussi gagner le plus d'argent. Que je doute fort que la plupart de ceux qui me suivent soient adeptes de cette stratégie hyper spéculative. Finalement, il reste deux approches qui nécessitent un degré plus ou moins important, on va voir, de prendre en compte la réponse à la question est-ce que le niveau de baisse sur lequel nous sommes est une raison de revenir en bourse? Bien, c'est l'approche indicielle, autrement dit, c'est l'évolution de l'indice global sur lequel on fonctionne qui va être un critère pour rentrer en bourse. Et puis, bah, c'est l'approche, le stock picking, autrement dit, l'approche par valeur, qui peut aussi amener à se poser la question. Le but de cette réflexion, c'est de savoir dans quelle mesure, pour chacune de ces approches, la question concernant le niveau de baisse, le caractère suffisant ou incitatif du niveau de baisse, est pertinente et opérationnelle. Alors, dans une stratégie que j'appelle indicielle, autrement dit, quand on joue sur l'évolution des indices, que ce soit un indice général comme le CAC 40, la vraie question, c'est au niveau actuel de l'indice, est-ce que si je me positionne, j'ai nettement plus de chances de gagner de l'argent que d'en perdre? Donc on voit tout de suite que c'est une approche qui est quand même plus pertinente que est-ce qu'on a atteint le point bas. Donc pour avancer dans l'analyse qui permet de se décider dans le cadre d'une stratégie indicielle, il faut se poser la question, dans la situation actuelle, en tenant compte de l'ensemble des paramètres qui caractérisent cette situation, les paramètres financiers, les paramètres monétaires, les paramètres économiques, que signifie une baisse de 40%? Alors l'élément de réponse qui me paraît essentiel, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, 12 mars de 2020, que faire, j'en ai aussi parlé dans l'article que j'ai communiqué à mes abonnés. Le krach actuel agglomère deux causes de baisse distinctes. La première, c'est la plus évidente, c'est l'impact du coronavirus, chacun s'en rend compte, en particulier bien sûr les professionnels de la bourse et de l'investissement, va se traduire dès cette année et quasi immédiatement par une récession. Alors il est amusant de constater que, je ne me rappelle plus quel membre du gouvernement, peut-être le Premier ministre, voire le Président, disait bon, on n'est pas encore en récession, qui se rassure s'il a des doutes là-dessus. La suite lui imposera rapidement de reconnaître que nous sommes dans récession. Cette récession sera certainement très importante puisqu'elle n'est pas simplement française, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'aux effets récessionnistes du blocage de l'économie française s'ajoutent également les effets récessionnistes du blocage des autres économies, c'est-à-dire à la récession de nos fournisseurs
et de nos débouchés. C'est dire que cela n'augure pas de bons résultats pour l'année 2020. Et est un effet induit de la première, c'est que tous les opérateurs en bourse, tous les observateurs, les économistes, les financiers, savent depuis longtemps, en gros depuis 2009, puisque la raison de ce qu'ils constatent a débuté en 2009, c'est que les cours des marchés financiers sont artificiellement élevés à cause des politiques appelées politiques monétaires accommodantes, qui sont, je vous en ai souvent parlé, les fameux quantitative easing, largement utilisés antérieurement par la Banque centrale japonaise, l'après-crise de 2007-2008, par les États-Unis et encore plus massivement par l'Union européenne, par la zone euro avec la Banque centrale européenne qui a créé pas loin de 4 000 milliards d'euros de monnaie supplémentaire, c'est-à-dire techniquement de fausse monnaie, qu'on fait les vidéos que j'ai tournées sur ce sujet-là. Aux États-Unis, on a un chiffre qui, en valeur absolue, est à peu près le même, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars, sauf qu'il se rapporte à un PIB qui est quand même presque deux fois plus important que le PIB de la zone euro. Alors depuis toutes ces années, les investisseurs en bourse, les professionnels, les traders, savent que un choc un peu violent sur le système économique peut entraîner immédiatement un éclatement de cette bulle financière par effet de retour à la raison. Et l'effet de retour à la raison, c'est bien sûr la prise en compte anticipée des effets mécaniques qu'il va y avoir sur l'économie à la suite de ce choc. Alors le choc, nous l'avons eu, c'est bien sûr le Covid-19 et les conséquences que je viens de vous décrire sur l'économie. Ce choc entraîne l'explosion de la bulle sur laquelle on fonctionnait, c'est-à-dire que malgré les interventions des banques centrales qui ont été annoncées et qui déjà sont à l'œuvre depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, les investisseurs boursiers ne croient plus, au moins jusqu'à aujourd'hui, que les banques centrales aient la capacité, même en imprimant massivement de la monnaie, aient la capacité de remonter la bourse, enfin non seulement de la remonter, mais de faire cesser l'effondrement jusqu'à un niveau qui serait au-dessus du niveau qui sera atteint si on ne fait rien. Un autre élément qui est tout simplement la conséquence de c'est l'enchaînement de ce qui est à l'œuvre depuis maintenant un mois, étant donné la très forte déstabilisation des actions, donc les pertes considérables qui ont été essuyées sur les marchés des actions. Vous avez vu, si vous suivez cela, que les cours de l'or ont baissé. Ils n'ont pas baissé par phénomène de mimétisme ou de sympathie. Non, ils baissent tout simplement parce que les investisseurs en actions ont besoin d'argent, absolument d'argent, pour réussir à se sortir du mauvais pas dans lequel ils sont, éventuellement d'ailleurs pour certains pour prendre des positions acheteuses, et cet argent, mais ils ne peuvent plus le trouver dans leur poche, alors ils vendent les placements qu'ils ont et qui ont gagné de l'argent. Parmi ceux-ci, évidemment, l'or. Mais ce n'est pas tout. Ils commencent à vendre maintenant aussi des placements obligataires, tout simplement pour mettre en œuvre la stratégie que je viens de vous indiquer. Il s'ensuit donc une mise sous tension du marché obligataire, ce qui signifie une hausse des taux. Et on assiste depuis quelques jours à des phénomènes assez erratiques sur les taux des obligations, en particulier des obligations d'État. Le 10 ans français est passé de moins 60 à plus 40, ou l'inverse, plus exactement, de moins 40 à plus 60. Le 10 ans allemand est passé de moins, je ne sais pas, pas loin de moins 1 à quelque chose de positif. Le 10 ans, enfin l'équivalent italien de ses emprunts d'État, ce qu'on appelle le BTP italien, lui est passé de quasiment négatif à 2, voire pas loin de 3 avant de retomber à 2. On voit que les marchés obligataires commencent à être chahutés, et très nettement dans le sens d'une hausse des taux d'intérêt.
Alors, la suite de ce programme, la suite normale de ce programme, eh bien, ça va être une accélération des impressions monétaires de la part des grandes banques centrales pour permettre de racheter, aux banques commerciales notamment, de racheter ces obligations qui sont en train de baisser et laquelle baisse entraîne la hausse des taux d'intérêt, ce qui est évidemment extrêmement dangereux. Donc pour cela, eh bien, il faut mettre de l'argent en circulation. Cet argent a vocation à être créé de manière massive, étant donné si le phénomène obligataire dont je vous parle est en train de s'aggraver significativement, on verra ce qu'il en est. Et le cumul de ces créations monétaires pour sauver le système obligataire, ajouté à celles que l'on met en œuvre pour sauver le marché des actions et pour relancer l'économie, nous amène tout droit vers une crise de la valeur des monnaies. On n'y est pas encore, mais c'est un scénario qui devient encore plus plausible qu'il ne l'était avant, en tout cas qui devient maintenant particulièrement plausible. Eh bien, conclusion, il est très possible que dans les semaines et les mois qui viennent, l'ampleur de la baisse dépasse les 40%. Même si, bien sûr, aujourd'hui, personne ne peut le prédire de manière certaine. Si cela se produit, eh bien, cela veut dire que ceux qui seraient aujourd'hui, dans le cadre d'une stratégie indicielle, rentrés en se disant que moins 40%, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas être significativement plus bas et qui signifie que revenir aujourd'hui sur les indices est une carte gagnante, risquerait d'en être pour leurs frais, parce que dans ce cas-là, ils perdraient probablement un an ou deux ans encore avant que l'indice ne revienne au niveau où il est à l'heure actuelle. Après cette description des affres intellectuelles dans lesquelles se trouve l'investisseur indiciel, voyons ce qu'il en est de l'investisseur en stock picking, ce qui, je pense, est le cas le plus fréquent pour vous qui me regardez, et pour certainement la grande majorité des investisseurs boursiers français, en tout cas chez les particuliers. Alors là, on va se trouver dans une approche qui est beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus entreprise. Il va s'agir d'identifier les entreprises dont le niveau de cours atteint ces derniers jours est aberrant par rapport à leur résilience et à leur potentiel de remontée rapide dans ce qu'est le contexte et ce que sera le contexte général à partir de maintenant, puisqu'on comprend bien que le contexte économique de l'après-coronavirus ou dès même pendant le coronavirus n'est pas celui qu'on avait avant, puisque les entreprises les plus exposées à la mondialisation, qui en profitaient au maximum d'ailleurs, vont être beaucoup moins favorisées par les circonstances, étant donné que la mondialisation a vocation à être ralentie, et peut-être d'ailleurs maintenant sur une pente très, très descendante, l'avenir proche nous le dira. Et puis, à cela s'ajoutent bien sûr tout un tas de conséquences induites et des conséquences induites, qui font qu'il faut bien réfléchir pour déterminer les entreprises qui seront favorisées par ce nouvel environnement. Alors, ces entreprises, on les cherchera bien sûr en priorité, pour ne pas dire exclusivement, parmi les très belles entreprises mondiales, donc chez nous, celles du CAC 40, mais enfin... n'oublions jamais que quand on fait l'investissement boursier, on ne doit pas se limiter à son environnement national, ni même régional, c'est-à-dire européen, mais il faut raisonner mondial. Il y a bien sûr de très belles entreprises qui sont sur les bourses américaines. Ce sont probablement d'ailleurs celles sur lesquelles il faut miser en priorité, puisque, à moins que l'issue de cette crise économique dans laquelle nous entrons modifie fondamentalement les cartes entre pays, eh bien très probablement les États-Unis comme la Chine, on peut penser que ce sont quand même les deux puissances qui économiquement continueront à tirer la croissance mondiale.
Alors, pour choisir ces valeurs, pour faire son picking, donc, ceux qui suivent depuis déjà un certain temps des valeurs qui ont quelque part leur valeur fétiche, eh bien, vont continuer à faire des analyses et ont des éléments pour décider d'y revenir dessus dès maintenant. Et je vous rappellerai dans quelques secondes ce que signifie revenir sur une valeur dans un contexte comme aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas spécialement attentifs au sort des entreprises en bourse peuvent tout simplement s'appuyer sur les analyses et les conseils des professionnels de la bourse et des marchés financiers. Il y a bien sûr des journaux boursiers qui existent pour cela. Et il y a quantité d'émissions que l'on trouve sur les chaînes internet pour vous proposer des valeurs qu'ils ont étudiées et qu'ils suivent eux-mêmes. Alors, ce que j'ai entendu moi ces jours-ci, je vous les cite comme ça, comme elles me viennent, il y a L'Oréal, il y a Orange, il y a Sanofi, il y a Total, il y a je crois Capgemini, enfin bon, il y a certainement plein d'autres, il suffit de faire un petit peu d'effort pour être au courant de ces valeurs. Je viens de vous dire, dans le cadre de la stratégie de picking, ben vous l'avez compris, on peut dès maintenant commencer à revenir sur certaines valeurs. Bien sûr, le choix de ces valeurs doit être particulièrement exigeant. Je vous en ai cité quelques-unes qui sont citées elles-mêmes par les professionnels de leur analyse. Il y en a donc certainement beaucoup d'autres. Revenir, ça veut dire, bien sûr, ne pas mettre tout son argent disponible dedans maintenant, mais c'est de revenir progressivement, sachant que si la bourse augmente, eh bien, on n'aura pas bénéficié du point bas, auquel cas ça voudrait dire que le point bas c'est plus ou moins à ce moment. Par contre, on aura une moyenne qui sera quand même très basse par rapport au niveau d'où on vient et même au niveau de long terme, à certains niveaux de long terme. Et inversement, si la bourse continue à baisser, eh bien, on va progressivement abaisser sa moyenne d'achat. Et bien sûr, on n'aura pas bénéficié de l'achat au plus bas qu'on aurait eu si, par magie, on avait su qu'il fallait encore attendre 2 mois, 3 mois, 1 an pour être au plus bas. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc la seule stratégie opérationnelle, c'est celle-ci, qui consiste à partir de points d'entrée qui sont objectivement intéressants, d'y aller progressivement. Et la progressivité, c'est peut-être une fois par mois ou plus dans la période actuelle. Ça, chacun déterminera quel est le bon rythme de retour sur les marchés. Si on est partisan d'une stratégie indicielle, si on est même actuellement engagé depuis qu'on fait de la bourse ou depuis quelque temps dans une stratégie indicielle, l'approche est un peu différente. Parce que, je vous ai expliqué ça dans le courant de cette vidéo, il ne faut pas du tout exclure l'hypothèse où, à la fin de la crise actuelle, le CAC serait beaucoup plus bas que 4000 euros. Alors ce que je dis pour le CAC, c'est aussi vrai bien sûr pour les deux indices qui se trouvent dans le même contexte, à savoir le cumul d'une crise boursière pour cause fondamentale d'excès de valorisation des marchés, avec une crise économique qui elle-même a déclenché la crise boursière, a fait exploser la bulle sur laquelle on se baladait depuis quelques années. Et situation nouvelle qui rend jusqu'à présent inopérant ce qui marchait, à savoir les interventions des banques centrales. La raison en est, à mon avis, n'en est pas que les montants annoncés, les montants financiers annoncés par ces banques centrales ou qu'elles ont déjà mis en œuvre seraient nécessairement insuffisants, mais c'est la confiance des investisseurs, c'est-à-dire des professionnels des marchés financiers, dans cette solution miraculeuse qui est battue en brèche. C'est-à-dire que ceux qui soutenaient, et ça écoutez-le bien parce que je pense que c'est vraiment la clé de la situation actuelle, si je me trompe, tant pis, j'assume, ceux qui soutenaient les marchés financiers et les faisaient monter au moins 2015, c'était l'idée que, de toute façon, l'intervention des banques centrales empêcherait des dérapages sérieux. Et d'ailleurs, les dérapages qui ont eu lieu
fin 2016, fin 2018, ont été immédiatement stoppés par l'intervention des banques centrales qui a fonctionné. Eh bien, ce système dans lequel on est, pour l'instant, ne marche plus, pour la raison fondamentale en économie et en bourse, c'est que les gens concernés n'y croient plus. Alors, pour conclure sur la stratégie indicielle, je vous donne mon avis, il n'est que mon avis, vous verrez bien sûr qu'il est logique par rapport à ce que je viens de vous dire, à ma vidéo précédente, à l'article que j'ai envoyé à mes abonnés avant-hier. Bien, mon avis, c'est que il est trop tôt pour revenir sur les indices dans le cadre d'une stratégie indicielle. Il vaut mieux attendre encore pour qu'une baisse plus substantielle se manifeste, si elle devait se manifester, ou pour constater qu'on est dans une phase de retour à la hausse, qui serait alors soit un simple rebond un petit peu durable, mais tout de même momentané, et on ne peut pas évidemment prédire quelle est la bonne version, ni même si ce serait vraiment un simple rebond, auquel cas, ce retour à la hausse commençait à s'affirmer avec, bien sûr, derrière des analyses techniques qui créent qu'on est reparti sur quelque chose, avec une bonne probabilité, sur quelque chose qui permet d'y aller sans être à la merci d'un retournement deux jours après ou une semaine après, alors il faudrait doucement commencer à revenir, en sachant encore une fois qu'il n'est pas exclu que trois mois après, de nouveau ça. Vous voyez que revenir sur les indices au niveau actuel n'est pas du tout exempt de risque et très probablement prématuré. Livrer aujourd'hui, plutôt les messages que je voulais vous délivrer. Si cette vidéo vous a intéressé, ce qui j'espère est le cas, alors bien sûr, vous levez le pouce bleu, vous savez pourquoi j'y tiens beaucoup. Vous faites aussi les commentaires qu'elle vous inspire. C'est toujours le même commentaire là-dessus, c'est le plus important. Vous pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous partagez. La période actuelle nécessite que ce genre d'analyse circule à partir du moment où on estime qu'elle est valable. Et puis je vous rappelle que si vous voulez approfondir votre réflexion sur ce sujet ou sur d'autres sujets financiers et patrimoniaux, des domaines que j'ai abordés, vous pouvez m'en parler directement, c'est-à-dire nous pouvons discuter ensemble, dans le cadre de ce que j'appelle mes coachings patrimoniaux, dont les conditions, je vous le rappelle, sont accessible par le premier lien qui est sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de tirer le meilleur parti de tout ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite aussi d'avoir la baraka, puisqu'en ce moment, on en a besoin, que ce soit sur les marchés financiers ou pour passer à travers les mailles du coronavirus. Et je vous dis à très bientôt.